partez en mer, ne partez pas sans La Ciotat, fréquence nautique sur 107. Vendredi 22 juin 2012, nous fêtons aujourd'hui les Albans. Mer et Marine, votre journal de bord. Dans quelques instants, nous parlerons de ce plus gros ferry de la Méditerranée qui débarque à Marseille. Mais tout d'abord, vos conditions de navigation et votre météo marine. Nous partons donc au large du golfe de La Ciotat, où les conditions de navigation resteront favorables. Mais attention, toutefois, la prudence est recommandée aujourd'hui en mer. Alors ce matin, le vent souffle en direction de l'ouest et du nord-ouest, force 5. Rafale à 27 nœuds au large du golfe de La Ciotat. La mer est agitée, avec un niveau de houle de 1,5 m à 2,5 m. Ce matin, le ciel est clair et ensoleillé. Bonne visibilité grâce au Mistral, jusqu'à 10 000 nautiques. Pour cet après-midi, rien ne change. Vent d'ouest, nord-ouest, force 5. Rafale à 27 nœuds. La mer donc sera assez agitée, un peu moins que le matin tout de même. À 1 mètre, 1,5 m, ça s'améliore. Le ciel continuera d'être ensoleillé et clair. Bonne visibilité également jusqu'à 10 000 nautiques cet après-midi. Et pour ce soir, ce sont donc les mêmes conditions de navigation, donc plutôt favorables. Également favorables si vous devez pratiquer toute activité nautique et sportive sur les plages. Attention, il y a du vent. Néanmoins, force 5 encore ce soir. Vent d'ouest, nord-ouest, rafale à 27 nœuds. La mer restera assez agitée avec le même niveau d'eau que celui de l'après-midi. Sur les plages, l'indice UV de niveau 8. Température de l'eau sur les plages de Cassis, La Ciotat et Saint-Cyr-sur-Mer. Eh bien, elle est à 22 voire 23 degrés par endroit. La tendance de votre météo marine pour cette nuit, du vendredi 22 au samedi 23 juin, le vent soufflera en mer en direction de l'ouest à nord-ouest, force 4 à 5, parfois force 6, et passagèrement, attention, force 7 vers les îles d'Hyères dans le Var jusqu'en début de nuit, mais plutôt variable, force 1 à 2 entre Camara et Saint-Raphaël. La mer sera peu agitée et agitée cette nuit dans ces secteurs. Le ciel, quant à lui, sera plutôt clair, avec des risques de grisaille toutefois dans le secteur maritime entre Camara et Saint-Raphaël, n'altérant pas toutefois la bonne visibilité. Pour demain, samedi 23 juin, le vent soufflera en mer en direction de l'ouest à nord-ouest, force 3 à 5. Parfois, attention, force 6, mais variable, force 1 à 3 à l'est des îles d'Hyères dans le Var. La mer demain sera belle, voire peu agitée, localement agitée entre Cap-Couronne et le Levant. La houle sera non significative, mais ouest 1 mètre à l'est de Porquerolles tout de même. Le ciel demain sera ensoleillé malgré l'arrivée de bancs de nuages élevés, n'altérant pas là aussi la bonne visibilité en mer. Le Tanit, c'est son nom, nouveau ferry de la compagnie tunisienne de navigation, réalisera donc aujourd'hui sa première escale dans le port de Marseille, son port d'attache français pour ses liaisons avec la Tunisie. Pouvant accueillir jusqu'à 3200 voyageurs à son bord et plus de 1000 véhicules, le Tanit gagne le titre de plus gros ferry de la Méditerranée. Sa taille exceptionnelle de 212 mètres de long conduit le grand port maritime de Marseille à l'accueillir au Cap Janet plutôt qu'à la Joliette, où les trafics de passagers internationaux sont traditionnellement traités, mais où les navires de plus de 200 mètres de long ne peuvent accéder. Le Tanit escalera donc 2 à 3 fois par semaine à Marseille pendant la saison estivale. Il sera inauguré le 6 juillet prochain à Marseille en présence de Monsieur Jamel Gamra, président de la compagnie tunisienne de navigation. Retrouvez 24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'information maritime sur le 107 FM.